c'est impossible humainement de lire 500 livres. En revanche, ça fait 30 ans que je fais ça, je commence à avoir un peu des techniques. Avec tous ces livres qui sortent, une renaissance des livres que malheureusement on ne trouve pas dans le monde du cinéma et encore moins malheureusement dans le monde du spectacle vivant et du théâtre, puisque eux sont vraiment peut-être les premières victimes de cette crise. Pour revenir au livre, elle est donc étonnamment de qualité, et puis même si je ne fais plus partie d'un jury littéraire, en revanche je suis toujours responsable des pages culturelles de l'Obs et l'animateur du Masque. Et donc j'ai lu beaucoup de romans de la rentrée cet été. Et je dois avouer que j'ai rarement eu autant de coups de foudre pour, dans certains cas, de très grands livres. C'est impossible humainement de lire 500 livres. En revanche, ça fait 30 ans que je fais ça, je commence à avoir un peu des techniques. Effectivement, on se parle beaucoup entre nous. J'ai pas mal d'amis qui sont de grands lecteurs. On s'appelle l'été quand on reçoit les romans. Il y a aussi des auteurs que je suis depuis longtemps. Je m'occupe de plusieurs prix littéraires. Donc voilà, c'est toute une sorte de grenouillage, de passion, de mélange de un petit milieu littéraire insupportable et en même temps de vrai amour de la littérature.